Les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays. Car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Les citoyens de ces pays pourraient ne plus être en mesure de résider ou de crier librement des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CEDEAO et pourraient être soumises à diverses lois nationales. Ainsi, ces trois pays vont devoir cesser d'utiliser le passeport de la CEDEAO, la carte d'identité nationale biométrique de la CDAO et l'assurance automobile carte brune de la CDAO à l'échelle régionale. Sur le plan économique et financier, le retrait, le, le retrait des trois États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes mis en œuvre par la CDAO dans ces trois pays et dont la valeur est estimée à plus de 500 millions de dollars américains. Il convient également